Bonjour, bonsoir la famille. Comment nous y est? Moi, j'espère que tout le monde très bien avec Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Ou même qui levé matin et qui a privilège, qui a occasion pour suivre l'émission Tasse Café Matinal pour regarder nous sur YouTube là. Et bien, son grâce, Seigneur, fait. Seigneur, fait grâce, il fait grâce et que moi-même, je suis levé pour me porter un bon Tasse Café bien chaud pour vous-même. Je dis à Mgarab Dino, frère Maxime, nous avons une bonne émission qui sorti de l'ordinaire côté que Seigneur inspire nous un message pour peuple, un message pour tout si là au cap suivre émission hein, et moi compter sur nous-mêmes que nous pral partager émission pour plus monde possible capable tendre et garder émission ça parce que un message que Seigneur voulait communiquer avec peuple. Bon bagage qui important frère Maxobio ou même qui ont relation avec bon Dieu c'est pi bon bagage ou te ka faire dans la vie. Gagne une relation avec bon Dieu. Ou même qui poko gon relation avec bon Dieu, c'est pour dégager ou pa konnen moun yo kon di kou met Jean-Jacques, dégage ou kou met Jean-Jacques, vin gon relation avec bon Dieu. Dégage ou kou konnen pour gon relation avec bon Dieu parce que sans bon Dieu pa gen la vie, c'est bon Dieu qui la vie a. Donc ou besoin gen bon Dieu dans la vie, ou besoin gen Jésus-Christ dans la vie, ou besoin prend décision pour servir bon Dieu et pas pour servir pour faire mon plaisir, pas pour servir pour faire ma tante plaisir, pour faire tonton plaisir. Il dit on a l'église ou l'église avec lui, il dit on a temple ou aller avec lui, mais c'est parce que ou même tout ou découvrir qui est Seigneur. Parce que si nous prenons exemple femme samaritaine, après que Jésus-Christ finit rencontrer, il parle, ça va passer dans la ville, et que bon Dieu, Jésus-Christ dit, allez, chercher mon noyau, femme, noyau, menéo, pour capable venir connaître et boire de l'eau, ça qui baille la vie, qui va bien venir. Et puis, les dames n'ont allé, ils expliquaient tout le monde dans le voisinage, dans l'entourage, qu'ils rencontraient un monde qui expliquait toute la ville, tout ça. Et puis, mon yo vini, yo accompagné, dames n'ont vini, yo vini dans de Jésus-Christ. Et là, vous venez d'entendre, lui dit, dame, non, et nous, quoi, dans l'île, c'est pas parce que vous parlez nous de l'île, mais c'est parce que nous-mêmes, nous venons nous voir la genou et nous tendons tout. Donc, moi-même, je toujours parler de Jésus-Christ, mais on besoin faire propre expérience avec lui. Yon ma tante, yon tonton qui a expliqué de Jésus, mais on besoin faire propre expérience avec lui. On besoin connaître Jésus de par ou même, chercher le par ou même. Et ça fait, il dit, si on monde a cherché lui, il faut que nous cherché bon Dieu avec tout nous-mêmes. Donc, on besoin chercher bon Dieu avec tout nous-mêmes. Soit chercher avec tout cœur, avec tout amour, avec toute force, là, qui t'a joigné. Et là, joigné, on a une relation avec lui. Et puis, les ça, on a carré les Jésus, zami. Donc, moi, qu'on zami, même c'est Jésus-Christ, on carré le frère, moi mon frère, il c'est Jésus-Christ, on carré le papa, moi mon papa, il c'est Jésus-Christ, moi mon seigneur, c'est Jésus-Christ, moi mon maître, il c'est Jésus-Christ, c'est lui-même que m'a suivre. Comment me suivre lui à travers la parole de Dieu, à travers la Bible qui c'est enseignement que li ban moi et que me besoin suivre et enseigner l'autre monde pour yo suivre les mêmes gens. M'pa gen droit pour me retirer dans parole bon Dieu, m'pa gen droit pour m'ajouter dans parole bon Dieu, m'juste besoin obéir et observer la loi et la Bible. Donc raison qui fait nous la matin pour nous partager Tasse Café Matinal avec vous et raison qui fait chaque matin nous voter Tasse Café Matinal là pour même c'est pour capable venir plus proche bon Dieu, pour capable plus ami bon Dieu, pour capable plus attaché à bon Dieu et pour capable dire non mou. Parce que si on mourit sans Christ on perd non mou. Mais si on était attaché avec Christ on a bien la vie qui va jamais finir. Amen. Donc frère Maxime, j'aime dire nous préparer pour nous une très 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 belle émission matin. En nous en prière pour inviter Seigneur à lui prendre part, lui continuer prendre part avec nous-mêmes dans l'émission. Nous saluons nous toutes. En nous prier. Dieu de grâce et Dieu de paix, Dieu de miséricorde. Dans mes mains nous remettons toute bagaille. Nous remettons l'émission ça matin, bénis les sanctifiez. Pardonnez faute nous yo, aidez-nous Seigneur Dieu pour Dieu nous capable ouvrir spirituellement pour nous comprendre plus bagaille et pour nous servir en esprit et en vérité. Alléluia. Pour remettre tout bagaille, sinon non, Jésus-Christ que me prie à lui seul la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Maxime yo, qui t'aime dit nous, jodi a sujet nous c'est sous Satan. Satan qui c'est avant ange de lumière et kounia qui c'est Satan le diable. M'a aidé nous comprendre jodi a sous sujet que nous avons débattre là. Qui bagaille qui bal problème. Si ou gon adversaire ou pas konnen adversaire, et ben tôt ou tard ou bien sans attendre adversaire fin pa gagnon. C'est même genre si deux moun a boxer, et bien si yon se adversaire l'autre,
Eh bien, si yo pral gen pou yo monte son terrain pou yo boxer, chaque boxeur sa yo, chaque joueur sa yo, yo gen pou devoir al étudier technique, tactique l'autre là. Pou yo pas jamais sous-estimer adversaire yo, même si physique li te paraît pipiti, yo pa dwe garder sou ça. Et puis pour pas faire étude sur chaque monde. Faut regarder sur l'autre combat que le mené déjà pour voir comment il était boxer et puis pour voir qui j'ai eux même, yo pas goumer avec lui qui j'ai cap gagner dans bataille ça. Moi m'avo qui c'est chrétien ou même qui sont chrétiennes ou bien ou même qui pas en chrétien mais qui connaît Satan pas jouer parce que Satan pas c'est le chrétien l'emmerder l'autre monde d'où. Donc ou besoin connaît adversaire ça qui c'est Satan. Adversaire pas adversaire chrétien seulement. Mais li adversaire tout moun ka viv sou la terre, m toujours di ça. C'est moun Satan pa vle wè et moun ni pa vle wè. Si Satan te gen problème avec chrétien seulement, les question maladie t'a vini pour chrétien seulement. Donc wè, ni moun ki chrétien ni moun ki pa chrétien maladie a vini pour tout moun. Donc Satan c'est moun ni pa vle wè même. Donc an ale. Jodi a m'ap aide nou comprendre nou bagay la kayi. Ki sa ki bal problème? Qui ça qui bat le problème? Si ou gon bay nan vie ou men ça pa bay Satan problème, et ben son problème pour ou même. Ou besoin comprendre ça. Mais si ou bay nan vie ou qui bay Satan problème, et ben son bonne nouvelle liée pour ou même et ou besoin continuer la donne. Donc nous même chrétiens yo, nous bay Satan pile problème. Nous bay Satan en pile problème, nous même chrétiens, nous même k'ap prier, nous même k'ap li Bible, nous même k'ap faire émission là, k'ap faire émission tas café matinal pour bénir nan moun, on bay problème. On connaît ça. Et je dis à mes nouveaux yeux pour connaître ou même tout qui ça ou fait pour bailler Satan problème parce que ouais l'aura bailler Satan problème c'est ça que nan veut là la peine vers la mort pas oublier que ça l'air péché c'est la mort donc ça veut dire sous pas bailler Satan problème ça veut dire ou bien dans péché on se comprend ça Abdoula sous pas dominer Satan sous pas bailler problème pas vie ben ou bien dans péché et ça va veut dire que les ou bailler Satan problème ou pas bien problème tout. Nous allons comprendre ça très bien. Là nous lisons Bible dans Job, nous allons regarder yon monde que bon Dieu parlait de lui dans la Bible et qui t'est arrivé by Satan en pile problème et dans période par là, li c'est monde qui t'est by Satan plus problème. Li t'est monde c'est monde qui t'est by Satan plus problème et c'est peut-être ça bon Dieu prend exemple de lui-même. Donc nous allons lire la histoire li, nous pas lire toute histoire mais n'a comprendre nos bagages avec moi en aller dans Job premier en pile monde t'entend parler de Job mais nous allons aller dans Job chapitre premier verset premier il dit il y avait dans le pays d'Ish un homme qui s'appelait Job qui j'en homme n'enterrelé Job pays a relé d'Ish et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. N'a prêté là. Texte a dit comme ça, te gen yon nom nan pays Ish qui rele Job. Nom ça mais comment li te yé? Li te intègre, li te droit, li te gen crainte pour bon Dieu et li pas de jambe nan dans coller avec ça rele mal là. Parce que mal là pas oublier que mal là li gen plusieurs façons que le paraît. Voler à faire moun c'est mal. Battre moun c'est mal. Faire méchanceté avec moun sous toute forme c'est mal. Bail mentir c'est mal. Violer moun c'est mal. Faire adultère c'est mal. Mais il y a un paquet encore. Si t'es quelqu'un pour m'aider à comprendre, mal là sous diverses formes. Hypocrite, raïsab, un tas de bagay que mal là li là, li poté. Mais Job yo dou li pas danser collé avec mal là sous quelque soit forme que le devini hein. Li te détourné de tout mal. Et dans 1 Thessaloniciens et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui gagne pile provision la donne ou ka li tout chapitre là souvle mais il parlait de ça tout il dit comme ça abstenez-vous de toute espèce de mal dit quelque soit façon mal la vini pour faire abstinence de lui-même ça veut dire pour pas la donne moi même mal la donne Job te bail Satan plus problème c'est la nouyer on regarde ça pas qui ça Job bail Satan tout problème ça. C'est intégrité Job qui fait que li bay Satan tout problème ça. On regarde qui ça intégrité vle di. Intégrité vle di sans reproche. Là un monde intègre dans relation avec bon Dieu, ça veut dire son monde qui fait servir bon Dieu très bien. Si il tellement servir bon Dieu très bien, ou rien on ka reprocher comme serviteur de Dieu. Donc Job c'était grand serviteur dans période banna, dans époque par là, qui te servi bon Dieu puis bien, il était remarquable.
Oh, nous va regarder en pile bagaille là, frère Maxime. Et puis il dit comme ça, il était droit, droit, ça veut dire l'homme d'âme, c'est son nèg qui droit, c'est son nèg qui correct, c'est son nèg qui juste, c'est son nèg qui bien, son nèg son monde de bien, son monde et il pas dans affaire des graines gauche, son monde qui pas dans droite et gauche, son monde normal, son monde soit en affaire avec ou en affaire avec un bon monde. OK? Donc Job des droites, ça baille certains problèmes. Et Job te gen crainte pour bon Dieu. Il te gen crainte pour bon Dieu. C'est toute caractéristique ça, yo décrit Job et intègre, droit, craignant Dieu et détournant du mal. Ou chrétien, ou pas gen crainte pour bon Dieu ou un problème. Ou chrétien ou pas intègre, ça veut dire ou pas un monde qui a pas intégrité encore, c'est veut dire sanctification, qui veut dire mettre à pas pour servir bon Dieu, un bon serviteur de Dieu, son monde qui intègre, un bon servant de Dieu, son monde qui intègre. Donc Job te gen ça ou la kali comme qualité. OK, frère Maxime, nous va regarder rapidement dans Job chapitre 1 verset 6 qu'on y a qui ça écriture a dit. Li dit dans verset 6 là: Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient aussi au milieu d'eux. Nous songeons l'aime d'expliquer nous qui ça fait Satan te gain droit pour te venir dans l'espace ça et dans leur rencontre ça. Et si vous avez question sur ça, on met quitter, m'a répondre nous pas un problème. Mais nous va prêter sur ça parce que nous besoin aider au comprendre nos bagages. Et Satan vient dans mitan yo. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il fait répétition de première, de verset première. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craignait Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retire devant la face de l'Éternel. Frère Maxime, vous voulez aider nous comprendre nos bagages. Dans un compte là, bon Dieu t'a fait, Satan vini lui présenter devant l'Éternel. Qui ça l'Éternel dit? Satan, qui compte au sorti? D'où viens-tu? Satan dit: M'ta parcouru le monde. Pour qui ça Satan a parcouru le monde? Et je dis à ma montre, ça Satan t'a fait, elle a parcouru le monde. Satan a sondé tout le monde qui est sous la terre. Satan a sondé tout le monde qui est sous la terre. Satan connaît moi-même, il connaît position dans Christ, Satan connaît dimension de foi dans Christ, Satan connaît parole moi, il connaît action, il connaît comme, il connaît comment m'a vivre. Pour bon Dieu, il connaît sincérité avec bon Dieu, il connaît ni monde qui sincère à bon Dieu et ni monde qui pas sincère tout avec bon Dieu. Ça nous besoin comprendre. Les Satan a parcouru la terre, c'est poids nomme chaque monde la prend. C'est mesurer la mesurer qui poids au fait et ça fait m'a tout doux ça. Soit faire l'évangile, soit servir bon Dieu, soit suivre la parole de Dieu, et soit pratiquer l'évangile qui c'est la parole de Dieu, ben fait ça bien. Parce que si vous ne faites pas ça bien, Satan est un gado, il fait des mesures, il n'y a pas besoin de rien, mais il va nous, il va nous en tout. Et me dit bien. Satan, il pèse tout le monde sous terre, il compte pour chaque monde, il compte le monde qui plus s'attache à bon Dieu, qui moins s'attache à bon Dieu, il compte le monde qui prend pose chrétien, il compte le monde qui chrétien tout bon. Attention à vous-même, soit prend pose chrétien. Parce que Satan gen tan konnen ki sa l ka fa avou, il compte comment le ka dévou, il compte gen le ka fin avou, parce que il gen mesure là, mais il mesure. Qui ça Satan t'a fait? Le bon Dieu dit et qui côté au sorti? Il dit il t'a parcouru la terre. Il dit: D'où viens-tu? L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'a fait promenade, l'a contrôlé. Pas oublier que Satan gagne pouvoir et autorité sous la terre.
qui sac balil les hommes qui étaient désobéi bon Dieu li vinn balil domination en tenant mais nous balil c'est ça nous on comprend dans Genèse n'a pas comprendre ça Satan prend autorité à sous l'homme parce que l'homme t'a quitté Satan dominé il t'a quitté ça l'autre Satan passé donc Satan cap dominé et texte biblique la fait connait le monde entier est sous la puissance du malin ça veut dire Satan gain pouvoir et puissance sous lui mais Satan rencontre avec Job et c'est Job c'est fierté bon Dieu Job c'est fierté bon Dieu et puis bon Dieu poser Satan question ben man non bah est-ce que bon Dieu pas connaît qui ça Satan t'a réglé il connaît très bien il voit tout ça Satan fait il connaît tout côté Satan aller il connaît très bien est-ce que bon Dieu pas connaît Satan ouais Job qui a brillé comme serviteur il connaît mais bon Dieu t'a voulu piquer Job il dit ça pour le dire garder ouais serviteur non avait dit bon Dieu a fait un violet de travail et que Job fait de façon que Job servile même Jean était capable dit David c'est homme selon comme donc Job c'est homme selon cœur de Dieu Job fait bon Dieu plaisir à tel point Job bon Dieu brandit trophée devant Job devant Satan pour le dire meni mais trophée mais Job et c'est bon Dieu qui dit est-ce que ouais servitem non il connaît l'ouel mais il dit ça même et ça dérangeait Satan le fait qu'on vienne dire ça ou vinn dire que est-ce que ouais servitem nan moi me connais me déranger mon dieu pas oublier que m'te dit nous jodi an a regarder qui ça baï Satan problème ben Job té moun nan période par là qui té baï Satan plus problème pour intégrité pour droiture pour sincérité là bon dieu pour crainte li gen pour bon dieu respect li gen pour bon dieu tout ça té baï Satan en pile problème et qui est après Job qui té rivé baï Satan tout problème ça y a encore après Job qui te bail Satan tout problème ça y a encore ou vinn joindre la personne de Jésus-Christ ou vinn joindre la personne de Jésus-Christ les dieux lui-même lui se fait chair en belle il te vinn bail Satan plus problème que Job il te bail Satan plus problème que Job frère Maxime yo ou même qui sont chrétiens ou même qui sont servantes de Dieu ou même qui intègre ou même qui droite qui sincère dans relation avec bon Dieu vinn aujourd'hui ou bail Satan en pile problème et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Ou bien Satan pile problème, et c'est une bonne nouvelle. Ou quand ça l'a fait, la baisser intégrité pour le faire que ou vienne gagner reproche parce que intégrité veut dire sans reproche, la baisser intégrité pour le faire gagner reproche, la battre pour le baisser en niveau de crainte ou pour bon Dieu pour le faire gagner reproche, la battre pour lui retirer droiture là la caillou ça fait tentation à venir sous chemin tout temps, ou bien des bagages qui pour faire que ou abandonner mais pas abandonner. Pas abandonner parce que il y a une grosse récompense pour monde qui kembe jusqu'à la fin et qui a servi bon Dieu qui a persévéré jusqu'à la fin alléluia donc kembe jam qui ça que bas Satan problème Jésus-Christ 2 Timothée chapitre 3 verset 12 donc quand ça le dit il dit or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront qui ça seront persécutés tout monde qui voulait vivre droite tout monde qui voulait vivre correct Jean bon Dieu voulait là selon 2 Timothée 3 verset 12 eh bien ou a bien pour joindre persécution est-ce que vous persécutez ou même servante est-ce que vous persécutez ou même serviteur est-ce que bagay yo pas aller de travers pour ou bien est-ce que bagay yo pas aller comme sur la houlette quittez moi ça ou même chrétien yo gen des moments bon Dieu prend libé nous li couronne de gloire li couronne de bénédiction amen mais gen des ou a passer des épreuves ou a passer des épreuves et épreuves yo c'est bonne nouvelle yo et tout parce que c'est yo cap former caractère spirituellement c'est là pour éprouver foi ou nan bon Dieu donc kembe la ou a gen patience ou a besoin gen patience ou même chrétien faut gen patience pour prendre affliction yo pour prendre douleur yo kembe jam dans l'évangile là donc soit bay Satan problème continuer bal problème mais range corps ou ap jwenn pile persécution pas abandonner bon Dieu pour tête persécution yo pas abandonner bon Dieu pour tête épreuve yo parce que c'est normal lors son chrétien pour jwenn persécution Jésus-Christ qui t'ai bay Satan en pile problème il t'ai persécuté Satan t'ai tenté pendant 3 fois nous comment il t'ai répondre li Satan tantil nou on sak passé les Satan wè évolution nan vie spirituelle là et ben ou vin nou sib pou li vle abattre sauf que ou trop fort pou li ou bal en pile problème ou domine l OK gen de prier ka fò soufflé té Satan sa bal problème gen de comportement gen ou soufflé té Satan sa bal problème ki t'aime dou tout serviteur bon Dieu qui intègre nan relation avec bon Dieu yo domine Satan Jésus-Christ c'est yon ki c'est si là qui t'ai domine le plus là et l'aller dans des désert, tenter mais sans effet parce que c'est le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, ou pas avec rien. Jésus-Christ dit ou pas doit tenter Seigneur bon Dieu, l'aller tenter Seigneur bon Dieu.
Donc frère Maxime, attendez bien. Ou même qu'a servi bon Dieu, pour persécuter. Où est-ce arrivé? En aller dans verset 9 là, même les pour nous pour comprendre nos bagages. Dans verset 9 là, et Satan dit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craignait Dieu? Ça veut dire Satan montrer que oui, il est créatif pour vous-même, oui, il a servi ou mais c'est parce qu'on bénit, c'est parce qu'on balle tout bagage, ou protéger famille. Ça veut dire vous-même qui sont chrétiens, ou jouez en pile protection, ou jouez en pile grâce mon Dieu sous-même. Satan voulait frapper vous. Donc Satan dit, est-ce que c'est désintéressé? Ça, ça fait m'abdou ça. Sous son monde qui a servi bon Dieu, parce que ou reconnaissant de ça, bon Dieu fait pour vous, c'est pas un monde qui vient des bénédictions là, car bon Dieu, ça veut dire de manière désintéressée ou yé. Ou bien Satan pile problème. Moi, m'avoir nous besoin de mettre accent sur ça. Il dit, est-ce de manière désintéressée? Ça veut dire, ou l'on va gagner encore. Là on va bénir encore les cas où on va gagner en pile et bénédiction ou bien on va gagner l'argent ou bien on peut travailler ou bien on gagne toute bagaille ça, est-ce qu'on va continuer béni mon Dieu? Job et David dit je bénirai l'Éternel en tout temps. Ça veut dire ni dans bon temps ni dans mauvais temps et sa louange sera toujours dans ma bouche, ni dans bon temps ni dans mauvais temps. Moi même avoir nous besoin béni non Seigneur. Qui ça que bas Satan problème frère Maxime yo, m'va éliminer pour nous et m'a rappeler nous écriture là, ou va garder dans Job premier, ou va voir comment Job bas Satan problème par attitude et comportement comme monde, comme serviteur de Dieu. Moi m'avoir nous besoin faire même Jacques Job. Ensuite, n'a garder dans Job 6 pour arriver dans verset 12, lui expliquer comment Seigneur t'a fait violer par rapport avec comportement Job et qu'il était fier de serviteur là. Et m'parler de David que bon Dieu dit David c'est homme selon cœur, et ben gagnon l'autre serviteur m'parler de Lila qui c'est Job. Job c'était homme selon cœur de Dieu pour comportement. On regarde Jésus-Christ lui-même, Satan pas capable comprendre yon homme yon monde pour y être puissant dans niveau spirituel ça, et que Satan t'a tenté, mais Satan ouais baptême Jésus-Christ là, les Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, cet esprit descend sur Jésus-Christ, yon voit parler dans ciel là qui dit c'est petit moi, ben ça dominer Satan. Satan vient connaît ah c'est petit bon Dieu, Satan connaît qui est qui Jésus, mais Satan besoin pour Jésus prendre un piège là, il connaît Jésus capable douter de qui est lié, ça faut pas douer, on va douter de qui est souillé. Sous son chrétien on besoin connait qui ça un chrétien, qui est qui est un chrétien pour pas jamais douter de qui est souillé. On va jamais on va douter de bon Dieu. Et ça fait Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi. On va jamais douter de bon Dieu, on va jamais douter de qui nous sommes en tant que chrétien, qui dans Christ qui gagne l'esprit Christ en nous, l'esprit saint en nous. Satan voulait faire Jésus-Christ douter et là il tombé, il dit si vous êtes petit bon Dieu. Si vous êtes petit bon Dieu vrai, on va joindre ça dans Matthieu chapitre 4 verset 3, chapitre 4 verset 6, on va joindre il dit si vous êtes petit bon Dieu vrai. OK, il parlait pour jeter col en bas, zanjapedo mais ça qui écrit etc. Il dit faire roche tourner pain etc. Si vous êtes petit bon Dieu vrai. Ouais, ti technique ça, c'est même petite technique ça a été utilisé, c'est même plan ça, il prend pile monde pour créer confusion dans tête ou pour créer doute la caillou et puis pour dire est-ce que ou bien pour entrer dans en logique par là. Il fait Genèse, il fait Eve ça et Eve prend en quoi, il dit est-ce que bon Dieu dit tel bagaille, il met en question pour susciter doute la caillou. Quitte me dire. Ou konn ki est souye, pas besoin de qui est souye. Moi même son beau garçon, me connais. M'gen l'esprit que Christ là dans moi, m'observe bon Dieu, Ma beau garçon pour ça nous là, non? M'beau garçon parce que m'gon Christ en dedans, mais il fait m'beau garçon. M'gon ba en dedans qui éclaire m', il fait m'beau garçon. Donc m'beau garçon fier de ça. Et m'gen l'esprit Christ là dans moi, m'fier de l'esprit Christ là moi, m'dit bon Dieu merci pour grâce ça. Et ou même kotoyé, faut qu'on reconnaître qui kotoyé dans bon Dieu et pour entrer plus. Reconnaître bon Dieu là, pas jamais douter de lui, reconnaître qui est souillé tout dans Christ, pas jamais douter de ça. Pour c'est pas monde qui vient dire qui est souillé pour monde à rabaisser. Lève tête tout, pas quitter monde rabaisser ou bien baisser tête tout devant Seigneur pour lever. Le Seigneur lève ou kembe lever que Seigneur lève là, kembe le pas perdre ça dans Christ. Que bon Dieu bénisse nous en même. Bon Dieu merci parce que tu as suivi l'émission, pas oublier petite émission aujourd'hui, c'est mais qui ça? Mais qui baille Satan problème, c'est ça que me saute cité avec pour là. C'est intégrité, c'est droiture, c'est crainte pour bon Dieu et c'est l'effet que détourner de toute espèce de mal, c'est ça qui baille Satan problème. C'est
amour pour bon Dieu, détermination pour bon Dieu, dévouement pour bon Dieu, service qu'on apprend à bon Dieu, culte qui agréable à Dieu, culte de sincérité, temps de prière, dominer Satan, faut prier sans cesse, temps d'adoration à Dieu, dominer Satan, moment à part, dominer Satan, genou, faut jeûner, genou, dominer Satan, et puis service qu'on bail Seigneur, tout ça, yo dominer Satan. Ça veut dire ou même ou besoin prendre position pour toujours dominer Satan, parce que sous pas fait ça, eh ben lui-même l'a dominé ou même genre le dominer reste monde là, ou même ou besoin rester dans la prière, rester dans lecture biblique ou rester dans sincérité ou pas plein de veiller sous monde, comportement monde pendant ce temps ou même ou grand pile travail pour faire sous ou même, l'on fin fait tout travail sous ou même, laisse ou ka aider parce que sous pas gagner ou pas ka bay. C'est soit gagner ou ka bay. Donc grandir spirituellement son responsabilité et c'est ça qui a dominé Satan. Si pas dominer Satan, l'a dominé. S'il domine ou, égal l'amour. Gen pile moun ki pa fè Satan ni chaud ni fret. Mais gen pile moun tout, par conduite yo, par prière yo, par dévouement yo, par amour yo pour bon Dieu, par crainte yo pour bon Dieu, par intégrité yo, yo dominé mode ténèbres là. Et moi même konnen se yon nan moun ki ba an pile problème nan mode ténèbres là. Et ou même ki soit fait. Levez pied nous parce que nous dans dernier temps. Avancez vers Christ, avancez vers la lumière, sinon ténèbres là a englouti nous. Merci en pile pour attention nous, fidélité nous à émission ça. On continue partager, remet et peut être plus monde connaît bon Dieu dans dimension. Bonne journée. Pas oublier bon Dieu vraiment, il va pas suspendre vraiment. Bon Dieu bon, il va pas suspendre bon. Mettez bon Dieu en premier. C'est une responsabilité me gagner moi-même avant pour nous mettre bon Dieu en premier dans la vie non parce que tout l'autre bagaille va venir besoin l'argent besoin corps besoin bien besoin tout ton série de bagaille même pas qu'à bien sans bon Dieu en premier ça veut dire m'a besoin bon Dieu en premier ensuite bon Dieu va me tout l'autre bagaille toute richesse toute gloire à venir en dernier bagaille bon Dieu béni petite li pour pire monde penser là c'est un chrétien ou doué pauvre malheureux mourir dans misère non bon Dieu béni petite li il béni toute petite li et de ça il parler dans Job là Job gain tout bien toute bagaille et protection etc. Donc, c'est vie bon Dieu en esprit, en vérité, ou à bénéficier de tout ça. Bonne journée tout le monde. Kembe Djembalage. Ciao, ciao.